Non, ça va. Ça va? Ouais. Oh, joyeux anniversaire. Merci. Désolée, je suis en retard. Ouais, mais bon, préviens hein, quand t'es en retard, hein, parce que là... Ça, tu vas pas commencer, c'est les transports. Bon, ça fait quoi d'avoir 32 ans? Bon, allez, 25. Comme si j'avais un problème avec mon âge. Non, en fait, c'est cool. C'est cool d'avoir 32 ans, en fait. Ouais. Bon, moi, mon anniversaire, c'est le mois prochain. Tu m'offres quoi? Ah, oh, je sais pas. J'en sais rien, on verra d'ici là. Hé, hey, t'as vu le mec là-bas? Qui ça, lui, là? Et l'autre, là, derrière? Non, mais ça va pas, non. T'as vu, ça dégaine, sérieux? Non. Regarde plutôt ce 4x4 passé, là. Oh là là, si je pouvais m'en offrir un, ce serait vraiment un cadeau d'anniversaire. Hein. Ah ouais. Ah, oh, j'adore. Oh là là. Bonjour, mademoiselle. S'il vous plaît, vous pouvez me servir la même chose que d'habitude. Mademoiselle, le monsieur vous offre un verre. Ah, c'est gentil. À sa table. Merci. Qu'est-ce que je vous sers? Je prendrais bien un coca. Ok. Et moi, une vodka bien glacée. D'accord. Dans la vie? Je travaille dans la communication. Ah, c'est bien ça. Mmh. Et vous travaillez pour quelle entreprise? Je suis à mon compte. Plan marketing et tout ce qui va avec, quoi. Mmh. Je vois. Ah, j'imagine que vous devez avoir plein de passions. Qu'est-ce qui vous plaît en particulier? Oh, moi j'aime l'alcool et les belles voitures. Bon, écoutez, je suis désolé, mais je vais bientôt devoir y aller. J'ai un rendez-vous, enfin, dans une demi-heure, mais il faut que j'y aille. Excusez-moi, j'ai un appel. Et vous, c'est quoi votre métier? Ah, moi, je suis dans les affaires. Ah, c'est bien, intéressant ça aussi. Oui, on peut dire que je suis dans la communication aussi, enfin, en quelque sorte. Et vous devez brasser beaucoup de billes, hein? Vous savez, pas tous les jours, non. Et vous êtes marié? Oui, je suis marié et j'ai deux enfants. Ouais. Et votre femme, elle est belle? Ma femme? Oui. De ce côté-là, ça va. Enfin, je dois vous dire que je vous trouve vraiment particulièrement séduisante. Oh, merci. Dites-moi, et ma copine, vous la trouvez comment? Elle est mignonne, hein? Écoutez, elle a la fraîcheur et la beauté de la jeunesse. Ça vous dirait de passer un petit moment avec elle? Un petit moment? Ben, c'est pour l'aider un peu dans ses études. Non mais attendez, vous plaisantez. Vous avez vu, c'est une gamine. Mais pas du tout. Puis je peux vous arranger ça, hein, si financièrement... M'arranger ça? Puis vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, hein. Et puis jolie comme elle est, puis c'est une belle fille, hein. Non, pour passer un moment avec la miss, il faut y mettre le prix.
Allez, combien tu peux lui donner? 200? 300 euros? Oui, 300 euros, ça lui convient. Mm-hmm. Mais bon, je peux être disponible que vers 18h, enfin après mon rendez-vous. Ouais, comme tu veux, parfait. Du moment que tu payes, hein. Ça me va. Puis vous verrez, vous ne le regretterez pas. Elle sait y faire, elle a l'habitude. Je t'ai trouvé du boulot pour ce soir, chérie. Ah ouais? Mmh. Quand? Ce soir. Où? Derrière le parking du supermarché. Ah d'accord, j'ai compris. Vous savez, mademoiselle, vous n'êtes pas obligée d'accepter. Hein. Non, mais ça va, ça me dérange pas de travailler. Bon, ben, on trinque. À votre santé. Bonsoir, ça va? Oui, merci. Allez, monte, fais pas ta mijaurée, va. Tiens. Ça, je pensais pas que t'allais venir. Tiens. Regarde ce que j'ai pour toi. Tiens. Prends ça. T'es une gentille fille et je sais que t'en as besoin, hein? Sur mes genoux. Mmh. Hein? Allez, fais pas d'être timide, tu vas voir. Ça va bien se passer. Mmh. Attends, on n'est pas pressé. Eh si, justement, moi je suis pressé. Maintenant, t'as l'argent. Hein? Allez, sois gentil. Viens sur mes genoux, ma belle. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Sors de la voiture, vite! Qu'est-ce qui se passe? Sors de la voiture, les mains en l'air! Vous êtes pas bien là? Sors! Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas! Ouais, ça va. Mais. T'es sur le point de te taper une mineure? T'as pas honte? Mais c'est toi qui m'as fait. Ta gueule! Ah. J'ai des images! Non, mais vous êtes complètement dingues, les nanas là! Et tu ferais mieux de nous oublier! Sinon, je balance les images! T'as le pognon maintenant! C'est ce que tu voulais? Allez, laisse-moi ma veste là! Donne-moi ma veste! Assuré comme une chèvre. Trop cool, t'es génial. Waouh. Il y a 2600 euros. C'est un truc de fou. Gros pervers. Ouais, mais bon, c'était pas la peine de le frapper quand même. Hein. Eh ben voilà. On va pouvoir s'en faire des cadeaux. Bébé, t'es pas assuré. J'ai jamais vu autant d'argent. C'est génial. Tu vois que je t'avais dit que mon plan allait marcher. Ouais. Mais c'est quand même pas la peine de le taper. Tu vas finir par en mettre dans la merde. Ouais, mais bon, hein, en même temps, c'est tout ce qui méritait ce salaud. Ouais, ouais. Oh. Elle est belle, cette voiture. Je veux ça pour mon anniversaire. Ouais. Là, t'as raison.
Bah alors, on se le fait celui-là? Monsieur. On est en panne d'essence. À peine dépanneuse. C'est pas très galant. Il est à vous ce 4x4? Oui, il est à nous. Donc vous pouvez nous dépanner ou pas? C'est bizarre ça. Il n'y a rien de bizarre, hein. On est juste en panne, c'est tout. C'est bon, merci monsieur. On va se débrouiller. Non, non. Non, non. Qu'est-ce que tu fais? Tu dégages maintenant. C'est ta voiture qu'on veut. Bouge. Allez, on se calme là. Ouais, allez. On se calme. Allez. On se calme. Hé, hey, lâche ma fille, lâche-la. Lâche-la, je t'ai dit. Maman, maman, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait là? Allez, on se casse de ce putain de parking. Allez, c'est bon, vas-y, viens. Viens, viens, je veux pas! C'est bon, allez! Non, laisse-le, viens!